Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Très Daniel Live. Je suis ravie de vous retrouver pour euh, ce nouveau numéro. Alors, ce soir, eh bien, on, a, on va accueillir deux nouveaux auteurs euh, qui vont se réunir sur un même sujet qui est donc le thème de ce soir, le euh, monde de demain. Et donc, bah, pour cela, on va accueillir Arnaud Rioux qui a écrit le livre La prophétie de l'aigle et du condor. Et puis, on va recevoir le docteur Louis Fouché qui a écrit le livre Tous résistants dans l'âme avec Stéphane Chartry. Alors, bah écoutez, on ne va pas attendre plus longtemps, on va les faire arriver tout de suite. Est-ce que, messieurs, vous êtes avec nous bonsoir. Je suis là. <laughs> bonsoir Merci Camille, beaucoup. bonsoir Louis d'être avec nous, de nous accorder euh, ce petit oui, temps euh, d'entretien, oui. parce que je sais que vous avez des, des emplois du temps bien chargés. Euh, du coup, on va essayer euh, de que ça connecte bien, parce que Arnaud, vous êtes euh, un petit peu dans les, dans les Alpes, donc ça peut peut-être buguer un petit peu de temps en temps. Ouais. Donc, ne vous pas, mais euh, on va faire au mieux pour que tout se déroule bien. Euh, voilà, alors du coup, bah, messieurs, euh, ce soir, donc, on, on va parler du monde de demain, qui est donc le thème de la soirée, et vous en parler tous les deux de manière différente vos deux ouvrages euh, déjà peut-être pour qu'on pose un petit peu les bases actuelles avant de parler de demain quel, quel est euh, euh, votre avis sur la société le monde actuel aujourd'hui est ce que vous pouvez nous dire un petit mot euh, votre vision des choses en tout cas bah, je veux bien prendre si tu veux Arnaud euh, ah, des, bonsoir Bonsoir Arnaud, bonsoir Camille, euh, merci beaucoup euh, aux éditions Très Daniel euh, d'organiser euh, ce live ensemble et puis euh, de permettre la rencontre, la rencontre euh, entre les auteurs et puis avec le public aussi, euh, donc, euh, les auteurs terrés derrière leur bouquin, bah, c'est une autre époque maintenant, euh, on essaye d'être... Euh, d'être au contact des, des gens qui sont autour, de recevoir aussi les contradictions, les, les discussions, c'est ça qui est intéressant. J'espère bien que ce que j'ai écrit l'année dernière bah, sera contredit et que je ne penserai pas la même chose dans quelques années. Ce sera bon signe. Euh, voilà. Donc, bah, cette question-là de où on en est dans le monde d'aujourd'hui, elle est ample, elle est très très vaste. Euh, donc, on va falloir attraper un petit morceau et un petit bout. Euh, pour moi, on est dans un moment euh, charnière, un moment de bifurcation très importante, où euh, une partie de l'humanité euh, est en train de suivre un chemin qui est un chemin euh, transhumaniste. Euh, et ça nécessiterait de passer du temps à définir ce que c'est que le transhumanisme. C'est globalement l'idée que la, le remède à la souffrance, ce serait la technique, ce serait les systèmes techniques, les systèmes administratifs techniques. Euh, et que, enfin, derrière mon smartphone, je serais tout puissant. Ouais, si tu as le bon abonnement, si, euh, si jamais tu acceptes de te faire sucer tes datas euh, par Amazon, Google, Facebook et Microsoft. Mais, et tu seras tout puissant derrière ton smartphone, tout seul. Et ça, ça ne fait pas société. Ce n'est pas un avenir commun désirable. C'est un avenir où on voudrait se protéger, avoir un techno-cocon, être en permanence ne pas rencontrer la matière ne pas rencontrer l'autre ne pas rencontrer la réalité sauf à travers euh, des amortisseurs à travers des choses qui me permettent de que ce soit pas affrottement dur et euh, bah, si vous ne rencontrez pas la matière si vous ne rencontrez pas l'autre vous grandissez jamais vous n'avez jamais d'épreuves initiatiques et donc vous accédez jamais à plus grand ça, c'est mon idée sur la question. pour en reparler sur ce qu'est l'épreuve initiatique. Je pense qu'Arnaud a, a plein de choses à dire là-dessus aussi. Euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire que cet avenir-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Guimand et qui est aussi édité aux éditions Trénadiennelle il l'appelle le futur. Hein. Le futur qui est foutu. quoi. Euh, il ne faut pas y aller. Ce n'est pas, pas, pas un avenir commun désirable. Ce n'est pas ce qu'on appelle une protention collective euh, positive en sociologie. Et il faut retrouver une protention collective positive. Et. C'est quoi Bah, c'est le fond de l'humain. C'est ce qui. On est des êtres de lien. On est des êtres de partage. On est des êtres d'amitié, d'amour, de rencontre. Et le fil rouge sur lequel on pourrait se tenir, on le connaît tous la joie, la paix, la beauté, le partage, l'amitié, la rigolade, l'étreinte, l'amour et la paix. Et ben, bah, il y a toute une partie de l'humanité qui bifurque et qui dit nous n'irons pas vers le transhumanisme. Nous irons vers cette autre protection collective positive. Alors ça peut paraître des idéalistes, et pourtant ils sont en train de le faire, de partout, comme la forêt qui pousse. On ne les entend pas, font pas de bruit dans les médias, mais ils sont en train de changer le monde à leur mesure, à plein d'endroits différents, que ce soit sur toutes les institutions qui s'effondrent, donc l'école, la santé, la démocratie, l'argent et la monnaie euh, et, et tout le reste. Donc pour le moment, je crois qu'on est vraiment à une croisée des chemins. Où on va avoir d'un côté ce mouvement transhumaniste. Avec un déferlement totalitaire au passage, c'est-à-dire des gens qui vont se rédire que justement ce n'est pas un avenir commun désirable, donc il n'y a rien qui nous tient ensemble. Donc ils vont désigner des ennemis et ils vont se cramponner à ce qui est en train de s'effondrer comme une corde de sable qui leur glisse entre les doigts. Et puis de l'autre côté, des gens qui vont essayer. Et puis il va y avoir une réponse probablement violente, un déferlement de violence mimétique face à ce déferlement totalitaire. Et puis il y a une troisième voie, qui est celle dont je pense qu'elle est juste, qui est une voie de la non-violence, qui est une voie qui essaye. D'ouvrir des possibles pour un monde meilleur. Et tant mieux si, à la fin, toutes ces alternatives, elles deviennent l'institution. C'est le but. Voilà, je ne pas être trop long. Arnaud, c'est à toi. Merci, en tout cas. Euh... Merci Louis de cette introduction et puis euh, merci aussi à Camille, à Tré Daniel d'avoir organisé cette soirée. Euh, ce, qui ce qui me touche tout de suite dans ce que dit Louis, c'est que on n'a pas du tout le même parcours, on vient pas du même euh, cursus, on euh, n'a on pas les mêmes expériences, mais il semblerait que dans ce moment précis d'humanité, on ait un regard quand même qui se, qui se retrouve. C'est pour ça que j'étais ravi de, de partager cette soirée euh, avec lui ce soir. Euh, parce que cette notion d'un monde qui meurt et d'un monde qui naît, euh, dans la, la sagesse des peuples premiers, ça fait, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on en parle, on sait qu'il y a l'effondrement d'un système. On ne sait pas sous quelle forme, on sait pas à quel moment exactement, mais ça fait 20 ans qu'on on sent qu'il y a un vieux monde qui meurt et qu'il y a un, vieux monde, un, un nouveau monde qui s'apprête à naître. Et quand j'ai eu cette, cette, cette prophétie qui, qui m'est venue, la prophétie de l'aigle et du condor, elle, elle parle vraiment de ce moment de mutation. Et si on regarde le vieux monde qui est en train de s'effondrer, euh, c'est un monde qui fonctionne en silo. C'est vraiment ça. ça. C'est-à-dire qu'il y a la politique d'un côté, il y a la spiritualité d'un autre, il y a l'économie il y a l'écologie et donc on va dire oui bien sûr il y a des drames écologiques mais il y a une réalité économique ou il y a des drames économiques mais il y a une réalité écologique et mmh. ça ça fait partie de l'ancien monde et, et aujourd'hui ce qui est en train de se passer c'est que c'est vrai que tous les systèmes et, et le, le, la période qu'on a vécu qu'on est en train de vivre à accentuer ça euh, nous montre qu'il y a un système qui est obsolète on le voit au niveau du travail on le voit au niveau de l'argent au niveau du travail par exemple moi j'interviens dans des entreprises depuis des années euh, à on Encourager le télétravail, c'était impossible il y a deux ans. Les entreprises, les grandes entreprises, disaient non, on peut pas, le télétravail, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui, de fait, est en train de se produire. Et tous les systèmes sont impactés, le système de santé, bien évidemment, le système culturel, le système d'éducation. Et, et ça nous met dans, dans cette prophétie de l'aigle et du condor. On, on, on dit que le, le, le monde est gouverné par les deux oiseaux, l'aigle et le condor, qui partagent la gouvernance du monde tous les 500 ans. Et le condor, c'est l'oiseau peut-être des peuples du Sud, l'oiseau euh, qui, 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 qui soutient l'Amazonie, qui soutient l'Arizona, qui soutient tous les peuples premiers. Et c'est une invitation à plonger en soi pour avoir la réponse. L'aigle, c'est l'oiseau des peuples modernes, l'oiseau de la modernité, de la science, de la technologie. De, euh, et la dernière fois que l'aigle, est apparu, c'était il y a 500 ans au moment des grandes découvertes, au moment où on a voulu découvrir ce que c'était que le monde. Et Vasco de Gama, Magellan, Christophe Colomb ont traversé les océans pour découvrir le monde. Et là, on arrive à la fin de l'ère de l'aigle et au début de l'ère du condor. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est dit dans cette prophétie qui a plus de dix mille ans que il y a une période où les deux oiseaux, l'aigle et le condor, vont voler ensemble. Si on arrive à intégrer leur message commun, alors euh, on peut vivre dans toute notre intelligence de notre humanité. Si jamais on continue à s'opposer, alors on va passer par le chaos, on va passer par le drame qu'on est en train de vivre. Euh, heureusement, on sait qu'on a besoin des fois de chaos pour retrouver une forme d'harmonie, mais je partage complètement le fait qu'on vit complètement... Et c'est même sain. De se dire qu'on vit la fin d'un système qui fonctionnait plus parce qu'il y avait trop de trop d'inégalités, trop trop de un, un si peu pourcentage qui détient autant de richesses, de voir que euh, et, voilà qu'on qu crée en, on crée de la, de la richesse ici en créant de la pauvreté ailleurs, que on est en train en ce moment moi, je suis très lié avec les Indiens d'Amérique terrible, donc on, on est obligé au, au, de voir le nouveau monde dans un aspect global et holistique. Très bien. Et eh bien oui, c'est vrai que donc, dans votre prophétie, est-ce que justement ce passage-là qu'on est en train de passer, vous parliez de, de moments charnières, Louis aussi, ouais. euh, donc entre l'aigle et le condor, on peut faire ce parallèle. Euh, est-ce que c'est du coup la crise Covid qu'on traverse aujourd'hui Est-ce que ça peut être un des. Bouleversement qui, qui, qui est dans cette. C'est un, un accélérateur. Et ce qui est incroyable, c'est quand on regarde le, le, le calendrier maya, le calendrier, même il y a un calendrier amérindien qui, qui dit que 2020, c'est l'année de la maladie, 2021, c'est l'année de l'effondrement, 2022, le chaos, et 2023, la renaissance. C'est euh, incroyable ça. Donc on est complètement dans cette période-là combien ça va durer quelle forme ça va prendre euh, on n'en sait rien mais je crois que c'est sain de d'accepter de, de laisser fondre les vieux paradigmes et de, de s'engager dans, dans un monde nouveau mais quand je dis un monde nouveau c'est retrouver toutes ces valeurs qu'évoquait qu louis de, 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 de bienveillance d'authenticité d'honnêteté de simplicité d'humanité de, de, on a besoin de retrouver notre humanité c'est clair oui d'ailleurs c'est ce que le Condor euh, invite à faire finalement, être plus dans l'humain, être plus dans l'intérieur, dans l'introspection. C'est ouais. ce que le condor invite à faire. Le condor, il invite à, à, à réaliser que tout est en nous, que la paix est en nous, que le bonheur est en nous. Là où l'aigle, lui, nous dit si vous voulez être heureux, allez chercher à l'extérieur. Ce qu'on a fait, hein. on a fait ça pendant 500 ans. On s'est gavé de, de matière on s'est gavé de matériel euh, en, en cherchant le bonheur. Mais euh, voilà, est-ce que ces appareils euh, et cette technologie et euh, voilà Louis citait euh, Philippe Guimond, qui, qui a collaboré avec à cet ouvrage qu'on a fait au début du confinement, qui s'appelle Balémas. On évoque vraiment ça aussi, de, de, de voir combien dans, dans cette période on a besoin de retrouver. On est vraiment, c'est très tendu, quoi. C'est-à-dire que les… Euh, le, le, voilà, toutes les technologies qui, qui prennent toute la place, c'est plus de la science-fiction, quoi. C'est vraiment, c'est même plus du futur, on est en plein dedans, quoi. Mais on a quand même le message d'espoir que 2023 soit une renaissance, d'après les Mayas, du coup. Une renaissance si on accepte de mourir à nous-mêmes. Si on accepte, mais si on se dit vivement qu'on revienne comme avant, qu'est-ce qu'on appelait comme avant si ouais. c'est revenir à faire les mêmes erreurs, parce qu'il ouais. y, 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 y a des lois spirituelles, comme la loi de causalité, qui fait que chaque, chaque cause produit vient d'un effet, chaque effet produit une cause. Euh, la loi de l'interdépendance, qui fait que ce qui se passe en fin fond de l'Amazonie, ça a des répercussions en Europe, et ce qui se passe en Europe a des répercussions. Donc on a besoin d'intégrer ces, ces lois. On peut plus maintenant être tout seul dans notre jardin en disant, voilà, ma réalité, c'est ça. On a besoin de quitter notre monde. Pour rentrer dans le monde. Et il serait temps, et c'est mais ça va demander, euh... ouais, ça va demander de. Je serais curieux de savoir si, si Louis est. Est optimiste, tiens. <laughs> alors Louis, <laughs> oui, alors, merci Camille, merci Arnaud euh, euh, de ce regard sur ce monde qui meurt et d'un autre qui est en train de naître et de ce passage qui est nécessaire de cette idée qu'il y a une sorte d'acceptation d'une petite mort, une petite mort symbolique, une petite mort réelle, euh, mais c'est l'idée de l'acceptation de la mort au fond. Est-ce qu'on est capable de regarder en face le en fait qu'on est mortel, que la mort est assise sur notre épaule gauche et qu'on vit avec posé euh, Camille, vous demandiez euh, est-ce que je suis optimiste euh, et Arnaud aussi, euh, l'exergue du livre euh, qu'on a publié chez Très Daniel est issu d'une lettre qu'on a faite avec mon épouse euh, qui s'appelle Gratitude et qui justement euh, soulève cette idée que la crise c'est l'opportunité dans l'idéogramme chinois. La crise c'est le moment de résolution. C'est Christiane Singer aussi qui est un penseur qui a fait toujours le grand écart entre un constat extrêmement noir du monde. Et puis, le fait que ça soigne de sens, que de partout il y a de l'amour, que de partout, euh, évidemment, ça repousse de tous les côtés au milieu du bitume, dans une poubelle de plastique, de béton et de pétrole qu'on a créé, dans lequel on voudrait vivre. Et ben, au printemps, à chaque fois, il y a des coquelicots qui viennent fracturer le bitume. Euh, à chaque fois, il y a des petits brins de paille, il y a des choses comme ça. Et que toutes les épreuves qui nous sont imposées, elles sont là pour nous faire grandir. Elles sont des épreuves initiatiques. On va traverser la souffrance, on va traverser affrontement dur le contact avec le réel pour accéder à plus grand. L'enfant, quand il est enfant dans les jupes des mamans et dans les villages traditionnels, il devient un chasseur parce qu'il traverse une épreuve, euh, une, une épreuve initiatique. Chez certains Indiens, on attache les, les tétons avec des crochets un piquet. Il doit tirer, 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 tirer et s'arracher dans une sorte de danse pour réussir à s'arracher à sa condition. C'est toujours extrêmement violent. Et c'est guidé par un chaman bienveillant, un homme médecine, une femme médecine, un thérapeute, quelqu'un qui aide sur ce chemin à ne pas se perdre en route et à accéder à plus grand. Accéder à plus grand, c'est quoi Vous avez le territoire de chasse, vous avez l'arc, les flèches, vous avez les réunions des anciens, vous participez à choisir la date de la, de la battue. Ok, vous accédez à plein de pouvoirs, plein de puissance de transformation du monde. Et votre, voilà, votre puissance d'agir va être décuplée. Mais au passage vous devez nourrir la tribu. Vous devenez responsable. Et ça, c'est ce dont se double l'épreuve initiatique, c'est qu'elle vous amène à plus grand, à travers des souffrances. Vous allez pouvoir faire énormément de choses, recréer un monde nouveau, mais vous en êtes responsable. Et je crois que c'est un des enjeux, là, à comprendre. Euh, une grosse partie des dernières années a créé des humains irresponsables. Tout était euh, la faute de l'autre. Tout était pris en charge euh, par papa, par maman, par l'État, par les gars femmes, par qui vous vouliez. Et avec l'impression de subir sa vie, l'impression d'être conduit de manière automatique. Oui. La crise, elle nous ramène ici et maintenant. Vous n'avez même plus besoin de faire de la méditation pleine conscience ou des stages. Là, vous, les gens qui ont vécu le Covid, ça fait un an et demi, mais on a l'impression que ça fait 15 ans, qu'il qu n'y a même pas eu d'avant, comme si euh, le monde il avait basculé à ce moment-là. Euh, oui. Et puis, dans cet instant où vous semblez le plus contraint, le temps se dilate. Les possibles s'ouvrent, les failles deviennent béantes dans notre système, les masques tombent. La crise, elle est là pour faire tomber les masques. Euh, elle a une puissance de révélation, une capacité euh, à nous montrer tout ce qui n'allait pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle Richard Horton, qui est l'éditeur en chef du Lancet, qui a écrit un article qui s'appelle Syndémie. La Syndémie, c'était Sun en grec, c'est comme avec. Ce n'est pas une épidémie, c'est une épidémie comme nous on est. Elle vient taper, faire résonner, ding, 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 comme sur un bol tibétain, tout ce qui va pas dans notre système et elle nous le montre elle nous dit mais regardez votre système de santé il vous rend malade regardez votre système scolaire il ne rend pas les enfants libres, heureux de contribuer avec leur lumière individuelle à faire un nous qui a plus de sens elle fait des crétins militants c'est Michéa un philosophe qui avait dit ça c'est une fabrique de crétins militants aujourd'hui regardez le système monétaire il n'est plus là pour qu'on ta richesse ma richesse mes idées tes tomates tes patates on arrive à les résoudre dans la notion de l'argent et puis à s'enrichir mutuellement les uns des autres non non elle est là pour que quelques-uns préemptent tout le pouvoir et tout l'argent. Mmh. Ben voilà, maintenant on le voit, c'est clair, mmh. et ça va mettre au défi, challenger nos appartenances. Est-ce qu'on accepte de quitter son manteau, de tout lâcher et de dire j'ai confiance Mais ça, c'est difficile parce qu'il y a une sorte de saut de foi, il y a une sorte de, 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 de plonger dans l'inconnu. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Je ne sais pas ce que c'est le monde de demain. Parce mmh. que je dois le construire. C'est voilà. ça. C'est être euh, s'incarner nous en tant que euh, être le changement qu'on veut voir incarné, c'est déjà. Euh... Be the change you want to see in the world. Moi, je suis vraiment dans une voie de non-violence Gandhienne, donc euh, voilà. cette, cette phrase, elle me parle énormément. Pour autant, euh, je ne serais pas dans une vision euh, New Age où l'humain moderne serait auto construit de neuf à partir de lui-même et à partir de rien, parce que ça, c'est la même chose que le transhumanisme. Ça veut ouais. dire je n'ai pas d'héritage, ça veut dire je ne viens de nulle part, je ne suis pas enraciné, je ne suis pas vivant au monde et vivant dans le monde, avec le vivant autour de moi, dans une sorte de diplomatie en permanence négociée. Euh, donc pour moi, le, le, à la fois je suis le changement que je veux pour le monde, à la fois c'est la découverte que tout seul je ne peux rien, j'ai ouais. besoin d'aide. Ça se fait ensemble, ça se fait avec le groupe humain. Je est important et nous protège-je. Euh, je, je, hein. et je ne dois pas aller trop haut parce que s'il prend toute la place, tout le pouvoir, tout l'argent, qu'il qu aspire l'énergie de nous, bah, on a des pervers narcissiques, on a des paranoïaques, on a tous les gens qui sont au pouvoir actuellement. Alors que si je peux émerger, on lui laisse la place, mais il est au service de nous, et là c'est juste, il enrichit le nous et il le fait de plus en plus beau. Donc euh, voilà. Oui, ça change tout, c'est sûr. Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui euh, faire Parce que c'est vrai que la, 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 la crise a, a fait sûrement prendre... Conscience à certaines personnes. Il y a eu beaucoup de remises en question, des gens qui ont changé de métier, qui ont changé de vie, qui ont déménagé, qui ont, qui ont complètement changé de vie, qui ont quitté leur conjoint. Qui ont... Il y a vraiment eu des grosses prises de conscience pendant cette crise. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre en place à notre niveau Parce que je pense qu'on a tous conscience qu'il y a des problématiques, que d'ailleurs vous soulevez très bien dans votre livre Tous résistants dans l'âme. Qu'est-ce qu'on peut faire à chacun, à notre niveau citoyen facilement à mettre en place pour qu'il soit accessible à tout le monde. Alors moi, je viens des, je viens des colibris, peut-être vous ne le savez pas, mais je me suis occupé pendant deux ans et demi de, du, du Cercle cœur avec d'autres, hein, à Marseille, des, des colibris de Pierre Rabhi. Vraiment, le, le sous-titre, c'était « Faire sa part », chacun fait sa part, ouais. ça me parle de ce que vous dites. Et puis, il y a cette petite légende du colibri qui essaie d'éteindre l'incendie. Moi, je suis déjà passé à une étape d'après. C'est Pour moi, le colibri, il a des graines dans le bec, et il va aller poser des graines sur tout ce qui a brûlé. Vous savez que sur le brûlis, la culture sur hein, c'est connu euh, depuis bien longtemps, c'est là où il y a plein de choses qui vont émerger. Il y a plein de biodiversité qui va arriver. Donc là, je vous le dis au niveau symbolique, mais après au niveau pratique, ce que je constate, c'est que les gens tout seuls essayent de résoudre le problème en rejoignant leur névrose. Ils refont la névrose collective. Ils refont des collectifs qui portent un nom propre avec quelqu'un qui a tout le pouvoir. Ils veulent prendre l'élection présidentielle parce que si on a le président, on changera tout. Vous ne changerez rien. Pas comme ça. Ça commence là-dedans. Tu peux pas vouloir la paix là-devant si tu ne l'as pas là-dedans. Et il faut choisir être heureux ou avoir raison. Si tu veux avoir raison, convaincre l'autre, il sera un convaincu. C'est Thomas Dansbourg, la chite Thomas Dansbourg, qui est un formateur de communication non-violente. Euh, personne n'a envie d'être un convaincu. Donc il va falloir renouer le lien. Et pour moi, c'est la première chose et la plus importante. Avant même de vouloir faire quoi que ce soit, c'est non-faire, non-agir. En non-violence, c'est la première chose c'est le boycott. Arrêtez de nourrir le monstre. Arrêtez de donner de l'énergie au système. Arrêtez de replayer les, les tweets de, de Véran, de, de Macron, etc. On s'en fout. On s'en fout. Nourrissez-vous de beauté. Nourrissez-vous de ce dont vous avez envie. Et... et... Ça, c'est tout l'art du non-agir. Il y a quelqu'un qui s'appelle Masanobu Fukuoka et qui a été publié aux éditions Très Daniel. Donc, je fais de la pub au passage, ça tombe bien. Ce soir, je suis des auteurs de, de chez Très Daniel, une belle maison d'édition, euh, et qui a fondé euh, une partie de la permaculture. Et un de ces concepts, c'est le non-agir. Il y a plein de gens qui disent, bah, non-agir, non-agir, je ne vais rien faire. quoi. Non-violence, non-violence, tes es mignon, Loulou, mais, mais on va rien changer avec la non-violence. Au contraire, extrêmement puissant le boycott. Et parce que votre boycott, il est utile à partir du moment où vous êtes en lien. Et donc c'est tout un travail sur le lien. Et chez Mbassadovu Fukuoka, si vous alliez en stage, je peux vous assurer que vous vous leviez à 6h du matin. Euh, ce n'est pas non agir tout le temps. C'est non agir sur ce qui est inutile. Là ouais. où vous allez perdre des plumes, perdre de l'énergie, vous battre contre des moulins à vent. Et par contre, agir là où c'est utile. Et là où c'est utile, c'est quoi C'est comme en aikido. C'est là où il y a des lignes de faille, où l'énergie va et est dirigée. Où c'est facile. Et cette action, elle est très différente pour chacun. C'est comme chez Spinoza, la notion de la joie. La joie, bah pour moi, ça va être d'aller soigner, mais il y en a un autre, il va aller faire la même chose, il va avoir la boule au ventre, se traîner son fardeau. Donc, c'est chacun doit ressentir où est sa joie. Il y en a qui adorent faire des procès. Moi, c'est pas mon cas. Ça m'intéresse pas de faire des procès. Euh, mais tant mieux, s'il y en a qui font des procès et que ça, arrive, ça les égaille. Parfois, allez-y, quoi. c'est sûrement utile. Tout est utile. La biodiversité est utile. Il y en a d'autres, c'est de faire des écoles alternatives cest dire l'école est malade, on va faire une école. Il y en a d'autres, c'est de réfléchir au système monétaire, de dire, bon, l'euro, le yuan, le dollar, ça va, on a compris, quoi, c'est BlackRock, etc. Et si on faisait euh, la june, la monnaie libre, le jeu, euh, qui est un, un système d'échange, si on faisait du troc, si on faisait des monnaies locales, le choco, euh, la roue, l'olifant, si on faisait euh, la pêche à Montreuil, euh, si on faisait du don, et a réapparaît la notion de don. Et ça, c'est très précieux. C'est la bonne action, c'est le don, c'est l'œuvre mise au service de nous. Et l'humain, il est vachement mieux dans ses baskets quand il contribue au groupe, quand il contribue à plus grand. Quand il travaille que pour lui, à se faire une petite fortune, à amasser un gros magot, à avoir une grosse baraque, à la fin, il... je suis tout seul, quoi. il n'y a pas de goût. J'ai besoin de le faire avec les autres. Donc voilà, pour répondre à votre question, je pense qu'est-ce qu'on peut faire C'est déjà non agir, boycott. Et puis après, boycott mettre son énergie, mettre son argent, mettre son intelligence, mettre sa créativité dans ce qui contribue à faire le monde qu'on veut et là où on a de l'énergie, où c'est facile. Par facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de travail. Mais vous n'avez pas d'obstacle majeur, vous sentez que ça fuse. Les quatre premières semaines de RéinfoCovid, je n'ai pas eu besoin de manger. Je n'ai même pas eu besoin de dormir. C'était étonnant pour moi, c'était nouveau, je ne connaissais pas ça. C'est <laughs> une sorte de moment un peu étrange. Quoi. Ah bon On peut ne pas manger, quoi. Euh, et et c'était comme... Euh, bah, je ne vais pas prendre la santé nucléaire, parce que je ne suis pas pour le nucléaire, mais, mais <laughs> c'est comme beaucoup, beaucoup d'énergie qui se met en mouvement. Et, euh, et voilà, c'est ça qu'il faut chercher. Donc là, les gens, un, un grand nombre de gens se mettent en lien, et ça, c'est très juste, c'est le, le premier et le préalable. Mais un grand nombre de gens se mettent en lien pour déplorer, pour dire « Oh là là, c'est terrible, ce qui nous arrive. » Et ils perdent toute leur énergie en déplorant. Et il y en a d'autres qui se mettent en lien, et ils font des œuvres d'art, ils font des pièces de théâtre, ils font de la musique, ils font des marches fantastiques autour de la France, où ils passent à travers tout plein de villages pour voir la beauté, à partager. Pendant les marches, ils font venir des gens qui font de la musique, qui présentent leurs œuvres d'art pictural. Et, et bah ça, c'est en train d'arriver, quoi. Ouais, voilà. Ça vous donne plein de pistes où aller. <laughs> cette, cette période, j'ai l'impression qu'elle nous montre encore plus qu'on a profondément deux moteurs dans, dans nos actions. Le premier, c'est le désir. On agit parce qu'on a envie d'agir, parce que ça nous fait rêver, parce que voilà, on a un élan. Et le deuxième moteur, c'est la peur. Et, mmh. et vraiment, plus il y a du désir, moins il y a de peur. Et, et, et plus il y a de peur, moins il y a de désir. Et on a pu voir comment la peur, par exemple, depuis deux ans, était un moteur. Incroyable, quoi. On voit des gens aujourd'hui rouler seuls dans leur voiture avec un masque sur le nez. Ça, ça, ça ne correspond à aucune, aucune logique, aucun bon sens. Donc, ça veut dire qu'il y a une peur qui s'est engrammée. Et quand cette peur a pris trop de place, on perd le désir, l'envie de, de, de créer du lien sain, l'envie de, de, de trouver notre place. Cette quête de sens qui, qui je crois, ne s'est jamais révélée autant fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de savoir pourquoi on se lève le matin on a besoin de savoir euh, pourquoi on cotise, on a besoin c'est vraiment une quête de sens qui a été vraiment renforcée. et, et par rapport à ce qu'on peut faire, euh, moi je suis impressionné, je suis vraiment impressionné. J'ai une grosse communauté sur internet dernièrement j'ai fait une soirée et j'ai proposé aux gens de, de, de partager simplement leurs initiatives parce que moi tout le temps les gens me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire Je ne sais pas à moi de savoir ce que toi tu peux faire mais si toi tu te dis et si tout était possible qu'est-ce que tu ferais? C'est la question que je pose. Et quand on accompagne les hommes et des femmes qui partent de ce postulat, tout est possible. C'est incroyable tout ce qui se met en place, qui remet, en, en, qui, qui crée, non pas contre, parce que dans la dans la, la résistance, il y a un endroit où on a besoin de résistance. Moi, je, je, plus ça va, moins je me sens contre quelque chose. C'est-à-dire que si jamais je sens qu'il y a un mur, je vais créer autre chose. C'est quand Einstein dit, on, on crée un nouveau système qui rend le précédent obsolète. Et, et c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a de plus en plus d'économies parallèles qui se créent, il y a de plus en plus de, 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 plus en plus de, de dons, de troc, le, 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 voilà, ça, ça, fonctionne de, ça fonctionne de mieux en mieux, mais c'est vrai que ça pourrait créer, euh, on en est là aujourd'hui, presque comme deux mondes. Et c'est pour ça qu'on parle d'ancien monde, avec certains qui se raccrochent à cet ancien monde, avec des privilèges. Avec, et, et il est question de ça, pour moi, de, de retrouver ça. Sa, sa souveraineté sur la terre sa souveraineté en tant qu'être humain qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre et là je crois que la plus belle chose qu'on puisse faire c'est de prendre soin peu importe qu'on prenne soin de notre communauté, des gens qui viennent manger, de notre jardin, de nos enfants, de nos lecteurs, du, de la voiture qu'on répare, mais quand on commence à se dire, OK, ce monde est malade et je prends soin à partir de ma vocation, là, on peut, faire des, on peut créer, c'est hallucinant le, ce, qui se, ce qui se crée en ce moment, mais je suis d'accord avec Louis, une, une, une forêt qui, qui pousse fait, fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Et, et c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a, il y a énormément d'initiatives. Euh, beaucoup plus silencieuse mais très encourageante en ce moment. Ah, J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis Arnaud. Juste, oui, juste, juste, Camille. Euh, cette idée de, de résistance qui est dans le titre du livre, euh, à mon avis, elle est, elle est obsolète. La résistance, euh, c'est un mot qui convoque plein plein de choses en termes d'imaginaire collectif et donc on l'a utilisé. Euh, mais plus j'y réfléchis, moins je suis dans la résistance effectivement et plus je suis dans cette idée que l'important pour ouvrir une troisième voie, euh, une, un, un, un futur possible, c'est une part de réconciliation. C'est prendre soin de ceux qui vont tomber du train, là. Parce qu'effectivement, ils sont pris dans un train qui va de plus en plus vite, et de plus en plus vite vers un abîme, vers un précipice, vers un effondrement. Tout le travail de Pablo Servine, de Arthur Keller et d'autres sur l'effondrement, la collapsologie, euh, ils vont vers quelque chose qui n'a pas de sens, et ils le savent. Sauf que, comme le train va très vite, ça fait peur de sauter, mmh. parce que vous allez vous faire mal. Il va falloir rouler, bouler dans les cailloux et les graviers. et hein. eh ben nous qui sommes à côté du train, il ne faut pas le laisser partir tout seul. Il faut accueillir, il faut recueillir presque les gens qui vont tomber et leur donner le, cette idée, cet espoir qu'il y a un futur désirable ensemble, qu'on peut se réconcilier. On n'est pas là pour se battre pour des histoires de passe, non passe, vax, pas vax. On s'en fout, en fait. Euh, Ce n'est pas l'important. L'important, c'est justement qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Euh, ça paraît. Euh, étonnant, mais ça correspond à ce que dit Arnaud, c'est transformer la peur et la colère en autre chose. Et dans les raisons d'être de RéinfoCovid, le collectif dont, dont je suis un des porte-parole, il y avait euh, l'idée de transformer la peur en prudence. La prudence, c'est une notion bizarre, il y a des gens qui la comprennent pas, mais ça vient de la phronésie chez Aristote. La phronesis chez Aristote, c'est l'intelligence contextuelle, la sagesse contextuelle. C'est-à-dire, je vais, je vais voir comment ça se passe, je vais tâter le réel. Je ne vais pas imaginer, je ne vais pas me faire une bulle. Euh, oh là là, euh, je vous prends un exemple trivial, mais euh, on est en février, est-ce que je vais me baigner dans la mer Plutôt que de me dire, euh, oh non, ça doit être trop froid, ou euh, non, ça doit être bien, je vais mettre mon pied dans l'eau. Je vais tâter le réel. Ouais. Et une fois que j'ai tâté le réel, je vais prendre, faire un choix en conscience, oui ou non. Et c'est ça la prudence, c'est sortir d'une bulle d'imaginaire, de projection, de peur ou de colère, pour revenir au réel et ensuite prendre une décision. Mmh. Et puis de l'autre côté, c'est transformer la colère. La colère, c'est quelque chose d'intéressant, c'est une énergie qui met en mouvement, comme la peur d'ailleurs. La peur, elle est là pour vous faire vous enfuir ou pour vous battre. Mmh. Euh, mais si euh, elle vous paralyse et qu'à la fin elle vous pousse à vous mettre dans votre terrier, c'est pas bon. Quoi. À la fin, vous allez vous faire attraper par un renard. Euh, donc, euh, si, si la colère est, vous met en mouvement, Tant mieux, mais souvent elle va vous mettre en mouvement de manière, euh, dans une violence mimétique. Et René Girard qui parle de ça, du désir mimétique. Il dit, on a, lui il le dit pas comme ça, mais aujourd'hui on dirait on a plein de de miroir quoi. Globalement, j'ai envie du jouer de mon grand frère. Mais en fait j'ai pas envie du jouet de mon grand frère. J'ai envie d'être mon grand frère. Mais je peux pas être mon grand frère. Et donc, et on va se battre. Et on va se battre jusqu'à la guerre. Et la guerre c'est la tentative d'éradication de l'ennemi. Mais c'est une illusion, je ne peux pas éradiquer l'ennemi. Parce que si je l'éradique, moi aussi je meurs. Donc il y aura une victime émissaire, il y aura un bouc émissaire. Et si je fais ce cycle-là, que René Girard rappelle la désir mimétique et la violence mimétique, et le sacrifice du bouc émissaire, je vais le rejouer à l'infini. Parce que ça va recommencer, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Mais il y a une autre façon de voir le désir mimétique, c'est de dire effectivement, j'ai envie d'être avec l'autre. Mes neurones miroirs me disent mets-toi en lien. Nous sommes des êtres de lien, des êtres sociaux, des êtres politiques, vous dites comme vous voulez, des êtres d'amour. Au fond, on a besoin de se mettre en lien. Et ce lien, ça ne va pas être facile, ça va frotter. Mais l'amour, personne n'a dit que ça allait être facile. Et pourtant, le vrai. frottement doux, et il génère un bébé, il génère un possible. Il fait émerger quelque chose qui n'est ni son papa, ni sa maman, qui est à, à nul autre pareil, qui ne sera jamais comme attendu. Et pour moi, c'est ça qu'il faut chercher. C'est le désir mimétique qu'on arrive à transmuter et la colère qu'on arrive à transmuter en, dans le courage d'aller à la rencontre de l'autre, même s'il est différent, même s'il pense pas pareil, même s'il n'est pas d'accord. Donc pour moi, le bout de la crise, c'est pas les procès, la purge des, des ennemis, etc. C'est la réconciliation. Ouais, c'est la bienveillance, mettre de la bienveillance dans, dans tout. C'est oui, peut oui. peut-être ça le, le, le grand défi de, de notre période. Aujourd'hui, souvent on regarde quand on, quand on s'oppose à un système, on se dit, tiens, ils ont fait voter le pass, ils ont fait ceci. Soit on s'oppose au système en descendant dans la rue, en cassant des vitrines ou en manifestant, même paisible, paisiblement, mais en tout cas en, en étant dehors pour manifester, pour faire changer le système, qu'est la voie, euh, je dirais, pour simplifier, politique. Et puis on peut se dire aussi euh, le système c'est moi donc je vais commencer par me changer moi-même je vais méditer je vais euh, compter mes respirations je vais comprendre mes émotions je vais quelle est, qu est la voie spirituelle de réaliser que le monde extérieur c'est une fractale du monde intérieur et que si je veux changer le monde, il faut commencer par me changer moi-même. Plutôt que de, de faire la paix dans le monde, commençons déjà par faire la paix dans notre maison, dans notre couple et déjà à l'intérieur de nous, puisque s'il y a un conflit avec l'autre, ça veut dire qu'il y a un conflit avec soi, qu'il y a deux parties de soi qui rentrent en conflit. Donc l'impression que j'ai, c'est qu'on a vraiment eu ces deux voies, qu'est la voie politique et la voie spirituelle, et aujourd'hui, et ça correspond presque à la rencontre de l'aigle et du condor, qui est comment on peut avoir une action. Non violente, agissante, qui soit pas contre mais pour. Et, et on en est vraiment là aujourd'hui. Moi, j'ai cette phrase de Marc Aurèle qui m'accompagne tous les jours Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer. La sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer et le discernement de reconnaître l'un de l'autre. Le courage de changer ce que je peux changer, cest à que si là, il y a quelque chose que je peux changer, là, à ce moment-là, c'est important de, de pouvoir. Euh, moi, je suis désolé de voir ce qui se passe en ce moment euh, au Canada, je suis désolé de voir. Est-ce que concrètement, tout de suite, je peux faire quelque chose Non. Alors, à ce moment-là, j'ai besoin de sagesse pour me détendre parce qu'il y a beaucoup d'endroits où je peux agir. Et où je me dis, ce n'est pas la peine, ça sert à rien. Donc, ce discernement, qui est une, qui est une voie intérieure, de vraiment plonger en soi, on est, on est notre premier laboratoire, en fait. C'est de trouver notre propre cohérence, notre propre réconciliation. Se, se réconcilier avec toutes les parties de nous-mêmes, ça, c'est un challenge incroyable. Et quand on est réconcilié avec toutes les parties de nous-mêmes, il ne peut plus y avoir de conflit avec l'autre, quel que soit ce que fait l'autre, quel que soit ce que dit l'autre. C'est, Je crois que c'est vraiment ça le, le défi qu'on qu a à vivre et qui est un défi qui est pleinement d'être dans le présent. J'étais avec une, mmh. une amie dernièrement, on était en forêt, et puis c'était magnifique, il y avait un, un paysage de forêt magnifique. Puis à un moment donné, on se pose, on regarde au loin le clocher, je médite quelques. Puis au bout de quelques minutes, tu écoutes le, le silence en disant Tu as vu qu'il y a cette loi qui va sortir pour le passe sanitaire tu te rends compte si jamais ça passe d'un seul coup je me dis, mais pourquoi tu parles de ça maintenant là il n'est pas question de ça là il est question de la et c'est pas être un inconscient c'est pas être coupé de la réalité la réalité elle existe parce que je la regarde et, et, et à partir du moment où je focalise je lui donne il n'y a pas de réalité sans observateur donc nous sommes nous des observateurs agissant et à nous de savoir où on pose notre regard pour créer notre Ouais. Et justement, Merci. pour mettre euh, plus de d'intériorité en soi, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour aller plus vers soi, plus, de, plus être dans l'introspection Qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, Est-ce que vous avez des petits conseils, des lectures des, ouais. euh, des... Ouais. <laughs> Oui, il y a pas mal de conseils à faire. Euh, une première chose, c'est peut-être euh, un certain nombre de gens qui nous regardent ont déjà compris que le jeûne était quelque chose d'intéressant. De, de ouais. jeûner euh, sur ce que je mange. Mais sur ce que je mange, c'est aussi ce que je mange symboliquement. Ce qui rentre en moi, ce qui vient bah, me constituer en pensée, en matière. Euh, et donc, est-ce que vous êtes capable de faire un jeûne numérique Est-ce que c'est possible de débrancher le téléphone portable pendant 10 jours Ça ne va pas être facile, hein. ça ne va <laughs> vraiment pas être facile. Mais est-ce que, est que vous pouvez tenter le coup et peut-être découvrir que vous n'allez pas y arriver tout seul, qu'il faut le faire à plusieurs, qu'il faut s'entraider, qu'il faut quelqu'un qui vous guide euh, que vous ayez autre chose à faire pendant ce temps parce que tout le temps que vous passiez à tweeter à, à liker, à, à, à envoyer des textos le remplacer par quelque chose qui vous nourrit pour de bon oui. quelque chose de juste une rencontre avec sa mamie, avec son papy avec euh, les gens qu'on aime, avec euh, son beau-frère avec qui on n'a pas parlé depuis longtemps parce qu'on n'était pas d'accord sur tel ou tel traitement et en fait ça c'est pas grave peut-être qu'on peut se re rencontrer donc euh, là, le... la première chose que je pourrais dire c'est de se protéger d'une certaine manière de faire sa peau de définir quelle est la porosité que je veux au monde. Je veux pas que tout rentre. Ce que disait Arnaud, c'est je suis dans la forêt, dans un moment, et poum, je suis assailli par une, une vague de dépolarisation de mon cerveau qui me fait penser à un truc glauque. Et pour ça, il y a des exercices. Il y a des exercices, dans le yoga par exemple, il y a les yantras, ou les mantras. Euh, le, le yantra, c'est une figure géométrique, euh, et vous allez la parcourir du regard pendant cinq minutes. Et il va y avoir des pensées qui arrivent. Parce qu'en euh, neurosciences, on appelle ça le default network, c'est-à-dire vagues de dépolarisation par défaut de votre cerveau. Quoi. Certains disent que c'est la conscience du monde qui, qui vient en vous, quoi, euh, par vague, quoi, comme des, des, des vagues successives euh, le bord au bord d'une plage. Et ce n'est pas grave. Chaque fois que cette vague arrive de pensée, vous ramenez doucement, gentiment, à la figure géométrique. Et puis ensuite, vous allez passer cinq minutes à regarder le point central, le bindou. Euh, pareil, il y a des pensées parasites qui vont arriver. Puis vous faites 5 minutes, yeux fermés, à parcourir la figure géométrique. Puis 5 minutes, yeux fermés sur le bindu. Je peux vous dire que quand vous faites ça, alors au début, vous n'allez pas faire 20 minutes, hein, vous allez faire une minute sur chacune des séquences. Mais chaque fois que vous faites ça, moi j'ai essayé plein de fois, hein, votre pensée après c'est un fil à couper le beurre. Vraiment, toutes les pensées parasites sont parties. Vous, avez, vous, vous savez ce qui est important. Il y a une autre technique, ça c'est pour les gens plutôt visuels. Pour les gens plutôt auditifs, en termes d'encodage sensoriel, euh, il y a les mantras. Les mantras, c'est répéter euh, Om Nam Krim Kali Nama Om Nam Krim Kali Nama. Ce que vous voulez, il y en a plein des mantras. On s'en fout, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est des bijas, <laughs> c'est des graines. quoi. Euh, D'en de, euh, foutez de ce que ça veut dire, c'est juste pour saturer votre pensée à ce moment-là. Et justement, s'il y a une pensée parasite, vous reconcentrez sur le truc. Et quand vous parcourez un mala, c'est une sorte de chapelet pour y yogi, il y a, je crois, 108 graines ou 100, 101, je ne sais plus exactement. 108, euh, voilà. Euh, bah, à la fin, c'est pareil. Votre pensée, c'est un fil à couper le beurre. Vous êtes, euh, êtes libéré de toutes les scories. Quoi. Vous avez poncé euh, euh, tout ce qui était inutile. Donc, une... voilà, peut-être c'est la première chose pour le retour intérieur, c'est déjà restructurer sa peau et arrêter de se faire inonder de saloperies. C'est une, une belle euh, méditation de se dire, si je ne suis pas mes pensées, qui suis-je Hein, puisque les pensées, on en a en moyenne 80 000 par jour, c'est non-stop les pensées discursives. Il a dit ça, mais il aurait pu dire ça. Il m'a pas appelé, j'aurais aimé qu'il m'appelle. Il est venu trop tard, j'aurais aimé qu'il vienne plus tôt. On passe notre temps, en fait, à opposer le monde tel qu'il est au monde tel qu'on voudrait qu'il soit, et on passe une énergie énorme. Alors que le rassemblement, le geste de la prière, c'est ça. C'est on réunit pour faire un, on épouse la situation, on épouse la situation complètement et ça ça passe euh, avant tout par le silence ça passe euh, comme dit Louis par, par un jeu numérique par un euh, le fait de se retrouver seul avec soi qu'est-ce qui se passe quand on est seul avec soi est-ce qu'on est une bonne compagnie pour soi est-ce qu'on est prêt à <laughs> se choisir soi-même pour se tenir compagnie c'est une bonne question ça à se poser est-ce que je suis est-ce que je, je, je serais d'accord de passer un week-end avec moi c'est une bonne question à se poser, parce que c'est parce qu'on va se, se remplir de soi qu'on qu qu va être beaucoup moins en, en demande de vouloir chercher l'énergie à l'extérieur tout le temps. Ouais, ouais. Effectivement, on va chercher à l'extérieur un circuit de récompense. Euh, du sucre, euh, de l'alcool, de la cigarette. Du porno, du, je sais pas quoi. Tout, tout. Il y a des la gens qui ont des, a, des, a, des dépendances comme ça. Ils vont chercher à l'extérieur un circuit de récompense. qui y a plein d'explications euh, en termes de neurotransmetteurs. Hein. Mais l'idée de cette ascese, de ce jeûne, de ce moment de vide. Euh, alors, il y en a certains ils vont faire dix jours de méditation vipassana. Il y en a d'autres qui vont faire euh, les techniques de yoga que j'ai décrites. Il y en a d'autres. Ce sera simplement la pratique d'un instrument, euh, la prière pour ceux qui ont une religion. Il y en a d'autres. Ce sera euh, juste la lecture. Mais attention à la lecture. Si vous lisez des romans noirs euh, qui traitent de trucs glauquissimes, c'est pas bon. Euh, <laughs> enfin, il vaut mieux lire des poèmes, quoi. Des haïkus, même. Laissez germer. Les haïkus, pour ça, sont intéressants. C'est ces tout petits poèmes japonais, vous savez, euh, « euh, Sucre sur les blancs en neige ». Voilà. Bon. <laughs> okay. Puis après, vous laissez, vous, vous laissez venir, pas. quoi. Et mm -hmm. en fait, ça rejoint ce, que, ce dont Arnaud parlait tout à l'heure, c'est d'aller chercher le désir. Le vrai désir. De quoi j'ai envie Et le vrai désir, c'est... Contribuer à plus grand, offrir quelque chose de beau, être l'outil de transmission de quelque chose qui me dépasse. C'est pas moi vraiment qui joue. Ce... Moi, je ne fais qu'interpréter ce morceau de musique. Euh, c'est pas moi qui parle. Ça parle à travers moi. Mes paroles sont justes parce que ça parle à travers moi. Mes actes sont justes. Et euh, à partir du moment où on contribue aussi aux autres euh, comme ça et qu'on a le désir de le faire, à mon avis, c'est ça. Et on a restructuré sa peau de manière correcte. Donc, euh, on a dit euh, une sorte. Et je, je reparle de la 16. Euh, la 16, y a, je parle de yoga, parce que bon, j'ai lu un petit peu sur le yoga, mais il y a cette idée du tapas. Ce n'est pas euh, le sandwich mexicain. Hein. Euh, euh, le tapas, c'est l'échauffement, la 16. Et en gros, ça correspond à un truc très paléo. Ça correspond à frotter le bâton à feu sur la planche à feu à essayer de faire du feu. Ça s'échauffe. Et donc, ça veut dire se frotter à quelque chose d'un peu dur, d'un peu plus dur que d'habitude. Être un peu plus seul, un peu moins manger, un peu moins de sucre, un peu moins euh, se remplir de relations idiotes, de, 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 de vidéos, d'informations, de, de, de news. Toutes ces dépendances, dire je vais réussir à, à frotter, à poncer les scories, à enlever ce qui traîne, pour que sorte le diamant éternel. Et. Oui. Euh, ça, c'est présent dès le départ. Mais ça veut dire que je vais me transformer. Il faut que j'accepte de me transformer. Parce que le bâton à feu sur la planche à feu, à la fin, ils sont un peu brûlés. Ils ont fait jaillir une étincelle. Mais je me suis un peu brûlé au passage. Je me suis un peu poncé des choses inutiles. Voilà. <laughs> ben c'est très intéressant tout ça. Mais, euh, Arnaud, euh, euh, du coup, vous êtes un petit peu aussi euh, enseignant spirituel. Alors ça te un petit peu ce qu'on vient de dire. Vous avez créé votre académie. Ouais, euh, ouais, ouais. L'acte, euh, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit mot. C'est bah, vous... une académie que j'ai créée. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de, de passer une quinzaine d'années auprès des, des maîtres euh, tibétains, indiens, amérindiens, euh, mongols, des hommes médecine, des chamans, des, euh, qui, qui ont un regard euh, tellement. Plein de bon sens sur ce monde-là. Euh, j'ai eu la chance de, 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 de passer une quinzaine d'années de ma vie aussi au, à pratiquer les arts martiaux, l'aïkido, et puis mon premier métier, le théâtre, l'art dramatique, qui, qui m'a permis aussi d'explorer de, euh, qu'est-ce que le personnage, qu'est-ce que l'émotion, qu'est-ce que la situation. Et c'est ces trois disciplines que j'ai rassemblées il y, a, il y a 15 ans pour créer une académie qui s'appelle l'Académie de l'Acte. Et, et, et c'est une. Euh, J'aime bien l'appeler l'Académie. D un, d un, d un, pour des porteurs de projets d'un nouveau monde parce qu'on est il s'agit pas seulement de se transformer il s'agit vraiment de, de, de regarder quelle place on peut prendre dans ce nouveau monde euh, en, en, en ayant une action concrète et en, en, en associant je ne me reconnais plus dans le mouvement du développement personnel parce que développement personnel on va se développer soi même mais pour faire quoi si c'est euh, c'est très très étonnant d'ailleurs dans cette dans cette rencontre parce que pour avoir passé beaucoup de temps et pour pour passer encore du temps avec les maîtres ou les, les, les peuples premiers, on peut voir comment il n'y a rien sans développement collectif. Il y a certaines langues euh, au Kenya, par exemple, où il n'y a pas le, le jeu et le tu. Il y a un mot qui englobe le tout. Il y a une, une guérison chez les Navarros. Quand une personne est malade, par exemple, elle va voir le, le, le guerrier chanteur et il va... Euh, transférer la maladie dans du sable pour remettre le sable à la terre mais ce qui est très intéressant c'est que toutes les membres de la communauté participent à ce rituel considérant que la maladie d'une personne dans la tribu rend malade tout le monde et c'est un petit peu comme si on voulait euh, se, comme si le cœur se disait tiens je sais pas ce qui se passe il y a le foie qui est malade euh, je sais pas ce qui lui arrive, il a dû euh, faire pas faire attention à lui, non quand le corps est malade, tout le corps est malade et, et nous sommes nous euh, comme, et ça c'est vraiment une vision euh, chamanique de se dire que on est chacun comme les, les vagues d'un même océan comme les, les, les arbres d'une même forêt et que si l'un est malade on peut jamais nous être en paix et être heureux hein en disant ⁇ moi je vais bien alors que l'autre est en train de mourir à côté ⁇ C'est impossible. Et c'est peut-être ça qui a renforcé cette période de, de, de Covid, de se dire ⁇ tant qu'il n'y aura pas même une immunité naturelle, on s'en sortira pas. De toute façon, on prendra tout ce qu'on veut, tant qu'on n'aura pas passé par l'immunité naturelle, et tant qu'il y a un pays, ça reviendra. Donc on a besoin de retrouver cette immunité naturelle. Comme on a besoin de retrouver cette, ce partage des richesses. J'ai discuté dernièrement avec un chef d'entreprise qui me disait Oui, mais là, tu es utopique, le, le, le rôle d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Je lui disais Non, le rôle d'une entreprise, ce pas de gagner de l'argent, c'est de créer de la valeur, ça n'a rien à voir. C'est de créer de la richesse, de la richesse partagée. Et quand on est dans cette vision du collectif, qui passe par soi, qui passe par une guérison une du monde, soit inclus, parce qu'il n'y a, a pas besoin de se sacrifier en disant je vais soigner le monde. On se soigne soi-même pour soigner le monde, et on soigne le monde, et ça nous soigne nous-mêmes. Et je crois qu'on est dans cette, vraiment dans cette période où le, le, le collectif et l'individuel sont en train de se rencontrer. C'est pour ça que, je, même si je la déteste, j'adore cette période. <laughs> <J 'ai> vraiment... <laughs> Il y a du vent, donc c'est bon. Et, euh, et bah, du coup, Louis, euh, en parlant de collectif, euh, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur Réinfo Covid euh, pour Avec les plaisir. Ouais. Voilà. Réinfo c'est un collectif de médecins, de chercheurs, d'universitaires, mais aussi euh, d'artistes, de citoyens, de parents d'élèves, de directeurs d'hôpitaux, de directeurs d'ARS, de hauts fonctionnaires. Un petit reflet de la société dans son ensemble, mais c'est vrai que le noyau dur initial, c'est plutôt euh, des scientifiques. Où on a essayé de. Euh, euh, Mettre en lien tous ceux qui voulaient agir pour une politique sanitaire juste et proportionnée. C'est notre première raison d'être. C'est euh, mettre en lien les gens. Parce que, comme le dit Arnaud, on ne va rien résoudre tout seul. Si vous êtes tout seul sur votre tas de, de, de fumier, comme Job, en train d'invectiver Dieu, dire ah, Pourquoi moi euh, Il ne va pas se passer grand-chose. Il y a un moment, il va falloir appeler à l'aide et vous allez en recevoir. Donc ça, c'est très touchant. La deuxième raison d'être, c'était de sortir de la peur et de la colère pour aller vers la prudence et, euh, et le courage. La troisième raison d'être, d'essayer d'aider. Parce qu'on ne peut qu'aider à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique. On pense qu'il était complètement verrouillé jusqu'ici. Et donc, on redonne la parole à plein de gens qui ne pensent pas pareil. Et tant mieux. C'est l'histoire de la pensée complexe de d'Henri Laborie et d'Edgar Morin. Hein. Euh, moi, tout seul, je ne peux pas comprendre le monde. Dès que je pense que j'ai raison, il euh, ah, y a un autre qui va arriver et me dire au fait, tu peut-être pas pensé à ça. Ah ouais, tiens. Tu vois, je pas pensé. Et, euh, et c'est ça la richesse de la rencontre aussi. C'est cette convocation de la transdisciplinarité, de la pluri pluridisciplinarité et de la multiplicité des regards sur ce même diamant multifacette, ce qui est la réalité. Souvent, on n'arrive qu'à avoir une seule facette. Si on arrive à avoir deux ou trois, c'est pas mal. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres façons de regarder. Donc ça, c'est l'idée de rouvrir l'espace du débat. Et puis, la dernière raison d'être, c'était de proposer une autre politique sanitaire. Le tout dans une voie de la non-violence. Donc, de proposer quelque chose, d'être pour. On a et rienfo Covid, le but de ce groupe, c'est qu'il meure. À la fin, c'est ça qui sera bon signe. C'est que si ça s'arrête, si on n'a plus besoin de rienfo Covid, mais tant mieux. Et il y a eu plein de bébés. C'est ça qui est drôle. Rienfo Covid a donné naissance à toute un... une réflexion sur la création monétaire, par exemple, qui s'appelle prenez place, euh, avec réuni des artistes, des traders, euh, des historiens de la monnaie, des sociologues de la monnaie. Euh, rienfo Covid a donné lieu à un syndicat qui s'appelle Syndicat Santé Libre. Pour essayer de réunir ensemble les soignants, pour bah, recréer une sorte de corporation, euh, réfléchir ensemble à quest ce qu'on fait, pourquoi on soigne, qu'est-ce que c'est soigner. Puis ça a donné lieu à des réseaux de soins pluridisciplinaires, ambulatoires en ville, Covid-soins, pour soigner le Covid, en disant que bah, les gens ne sont plus soignés, ils n'ont personne. OK, on va le faire, quoi. OK, on va s'organiser, on va le faire. Donc ça s'appelle Covid-soins. Ça a donné lieu à des gens qui veulent se réemparer de l'espace graphique urbain, des. Des gens qui, des graffeurs, des taggeurs, des artistes de rue. Et ça, ça s'appelle Street Act. Euh, ça a donné lieu à un groupe de santé pédiatrique, collectif santé pédiatrique, des pédiatres, des professionnels de l'enfance, qui eux-mêmes se sont liés avec d'autres collectifs comme les Maman Louvre. Les Maman Louvre, c'est un mouvement complètement intuitif, instinctif. Arrêtez de toucher à domino, quoi. Laissez-les tranquilles. Euh, et, et qui ouvre après une, toute une réflexion sur mais c'est quoi être parent C'est quoi être enfant C'est quoi les âges de la vie euh, Et qui est-ce qui prend soin là, des enfants, et, et, etc. Et c'est un mouvement qui n'est pas dans la tête. Et ça, c'est ce qu'on a découvert, nous, un peu avec stupeur, pour moi, parce que je suis euh, dans la réanimation, quoi, au sommet du truc technique, le pic pétrolier, quoi, le, le grand délire euh, technique quoi, pour soigner. C'est qu'au cours du temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas comprendre le monde de manière scientifique. Ce n'était pas possible. C'est un raccourci, un, un rétrécissement du monde, surtout le scientisme actuel. J'avais besoin de convoquer d'autres dimensions. Et donc, on a fait un groupe qui faisait de la synthèse scientifique, il existe toujours, qui s'appelle Comprendre, au sein de RéinfoCovid. Et puis, un autre groupe qui sont des artistes qui comprennent avec le cœur, qui vont utiliser cette antenne-là pour comprendre le monde de manière subtile, sur des choses intuitives, où il n'y a même pas à comprendre, il y a juste à, à ressentir. Et puis, on, on a un troisième groupe qui s'appelle Témoignage. Et là, c'est dans les tripes. Prenez-vous dans les dents ce que j'ai vécu, pour de bon, Et, enfin dans les dents, dans le ventre, quoi, dans les tripes et que ces trois dimensions-là, du cœur, de la tête et du ventre, c'était ça qui était important, c'est de les mettre en résonance les unes avec les autres, et d'arriver à voir cette vision complexe du monde, que ce n'est pas une image simple, c'est quelque chose qui est fractal, comme dit Arnaud, des petites volutes dans des moyennes volutes, dans des grandes volutes, euh, un petit chou romanesco dans un moyen chou romanesco, dans un gros chou romanesco, ça, les fractal. Euh, et que, si déjà je commence par moi, et avoir toute la complexité, tout ce qui frotte à l'intérieur, tout ce qui n'est pas au clair, j'ai déjà pas mal, avant de vouloir changer l'autre, déjà si je m'occupais un peu de moi-même. Aujourd'hui, on a des collectifs au sein de la résistance, entre guillemets, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas d'accord avec la politique sanitaire qui est menée ou avec euh, la politique en général qui est menée ou euh, voilà, les orientations transhumanistes et néolibérales prises par notre, euh, notre monde. Il y a des gens qui rejouent leur névrose, qui rejouent les névroses collectives, qui vont refaire un collectif où il y a un pervers narcissique qui va prendre toute la place. Euh, où, y a, euh, où ils vont se battre où ils vont refaire un truc flou associatif qui mène à rien donc en fait c'est pas une histoire d'être dans la résistance ou ailleurs, ça se joue partout c'est pour ça que nous on a essayé d'ouvrir des chemins, notamment sur ce qu'on appelle la gouvernance partagée et des façons de partager le pouvoir, des façons de prendre les décisions des façons d'arbitrer les conflits euh, où on considère qu'à chaque fois c'est une chance le conflit c'est un cadeau qui nous est fait et on utilise la communication non-violente, ce qu'on appelle les cercles restauratifs, pour essayer de faire qu'on sorte par le haut du conflit. Comment est-ce que euh, le conflit nous a dit quelque chose du groupe qui n'allait pas Nous a dit quelque chose de quelqu'un qui n'était pas forcément à la bonne place, et il fallait l'aider à trouver sa bonne place. Euh, donc voilà, c'est ça, il mm -hmm. faut coller. C'est très vivant, c'est très joyeux, euh, c'est pas simple, <laughs> c'est très compliqué, il n'y a pas un rond parce qu'on a considéré que l'argent était dangereux euh, et donc il n'y a pas de compte en banque, tout le monde est bénévole et, euh, et l'espoir de tout le monde, c'est qu'on n'en ait plus besoin. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder euh, et à trouver toutes les informations sur le site RéinfoCovid. Et, euh, et puis aussi à vous procurer le, le livre, parce que vous, vous parlez aussi de plein de solutions qui sont, euh, qui sont beaucoup euh, mises en avant dans, dans RéinfoCovid, donc tous résistants dans l'âme, donc de Dr Louis Fouché et euh, de Stéphane Chartric, avec qui vous l'avez écrit. Et puis, euh, et puis bah, aussi, alors, je, je, je regarde l'heure, mais en fait, le, le live touche bientôt à sa fin. Euh, Arnaud, euh, aussi, bah, si vous avez aussi envie de, de découvrir la sagesse euh, de la prophétie de l'aigle et du condor et donc des sagesses de, de, des peuples premiers, eh bien n'hésitez pas à vous procurer euh, le dernier livre, le quatorzième livre d'Arnaud euh, Rioux, La prophétie de l'aigle et du condor. Voilà, ces deux ouvrages sont euh, disponibles dans tous les points de vente habituels. Euh, n'hésitez pas à vous les procurer dans les petites librairies, d'ailleurs, plutôt que les, les, grosses, les grosses machineries. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup euh, pour, euh, pour ce partage. C'était euh, très enrichissant très, très intéressant je sais qu'on a eu beaucoup de commentaires merci beaucoup aux, aux internautes qui, euh, qui ont fait plein de petits mots on va regarder ça euh, après ce live mais en tout cas merci beaucoup euh, messieurs est-ce que vous voulez euh, peut-être dire un petit mot de la fin une petite euh, une petite chose en plus, une petite note positive, euh... un message d'espoir peut-être. <laughs> oh, il y aurait tant à dire, mais un, un petit mot peut-être, parce que Louis est en médecin et ça me fait, je, je pense vraiment à la, à, la, à la médecine justement de l'ancien monde. Euh, hier, quand on avait un problème à l'estomac, ou aujourd'hui, quand on a un problème à l'estomac, on va voir un gastro-entérologue. Si on a un problème de peau, on va voir un dermatologue. Si on a des états d'âme, on va voir un psychologue. Et, et souvent, ces, ces, ces spécialités ne se rencontrent pas. Et, et on on est aujourd'hui justement dans un moment où, où la médecine conventionnelle et la médecine non conventionnelle s'opposent, et j'ai vraiment l'impression que cette période de Covid nous invite à tisser les liens pour réinventer qu'est-ce vers une médecine intégrative, pour vraiment se reposer les questions qu'est-ce que c'est qu'un soin, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé, et comment on peut œuvrer ensemble. Autour d'une table, aussi bien en entendant l'expertise des chirurgiens que celle des chamanes, que celle des hommes médecine. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir. Je suis. Voilà, aujourd'hui, clairement, si on se fait renverser par une voiture, on est content qu'à l'hôpital, ils vont nous recoudre. Maintenant, quelqu'un qui a des crises d'eczéma depuis 20 ans, qui n'a toujours pas réussi à, à se soigner, va pouvoir trouver des réponses dans des médecines chamaniques qui, qui fonctionnent très. Et, et est... on est dans un, dans un moment de cette rencontre. Et le vœu que je fais. Euh c'est que cette rencontre ait lieu. Et, et, et un dernier mot que je dirais au, à, à vous qui nous, suiviez, qui nous suivez ce soir, nous ne sommes pas impuissants et ce n'est pas rendre service au monde que de se sentir petit et impuissant. Nous avons nous-mêmes beaucoup de puissance et la plus grande des puissances, c'est l'amour et la confiance. Exactement. Merci beaucoup Arnaud, j'ai essayé de dire quelque chose d'au moins aussi intelligent. <laughs> euh, merci beaucoup Camille aussi et merci à tous ceux qui nous écoutent. C'est un honneur et un plaisir d'être avec vous tous. Et à chaque fois, une, une rencontre renouvelée et, et une occasion d'enrichissement. Mm -hmm. euh, tu me tends une perche Arnaud pour dire qu'un des bébés que j'ai pas cité de RéinfoCovid, c'est ré Santé. Et RéinfoSanté, c'était vraiment cette idée d'ouvrir les chemins pratiques d'une santé autonome et intégrale. C'est mm -hmm. la première raison d'être. Ouvrir, parce qu'on ne peut pas faire autre chose que d'ouvrir. C'est des chemins, et ça va être long, il faut les parcourir, et ce n'est pas, pas une fois pour toutes que vous êtes en santé. Quoi. Euh, pratique, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas compliqué, c'est pratique, c'est au quotidien. Euh, et une santé autonome, c'est vous qui vous donnez votre loi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas une multinationale du médicament euh, ou euh, financière qui va décider si vous devez recevoir tel ou tel acte de soins. Il est intégral dans tous les champs de l'existant. Et la deuxième raison d'être, c'est élaborer ensemble une sagesse du vivant. Parce que ça a à voir avec ça, ça a à voir avec notre relation profonde au vivant. Et je pourrais conclure là-dessus, euh, vous faire une, une prescription de tout -bib, euh, <laughs> éteignez votre téléphone portable, euh, <laughs> sauf pour appeler les gens que vous aimez, et puis regarder les lives de Guy Très Daniel. Euh, éteignez la télé, éteignez les réseaux sociaux, nourrissez-vous de beauté, de belles choses, reprenez contact avec le réel. Le réel, c'est ce qui est vivant en vous, la nature autour de vous, ce qui est vivant autour avec votre voisin, avec votre frère avec qui vous êtes fâché, reprenez contact avec lui et allez vous, allez vous y confronter, allez vous y frotter. Parce que ce contact au réel, euh, bah, il va permettre de prendre soin de vous, de prendre soin des hommes et de la nature aussi autour de nous, et puis de partager vos richesses. Ça, c'est les éthiques de la permaculture. prendre soin des hommes, prendre soin de la nature, et partager ses richesses et, et tout ce qu'on est capable de... ce à quoi on est capable de contribuer. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Et puis, moi, je vous retrouve pour euh, des prochains très Daniel Live avec euh, de nouveaux auteurs, de nouveaux thèmes. Donc, euh, restez connectés sur les réseaux sociaux. Et puis, pour ne rien louper de l'actualité de, de Louis et Arnaud, eh n'hésitez pas à les suivre aussi sur, euh, sur leurs réseaux. Voilà, bah, écoutez, très belle fin de soirée à tout le monde. Euh, prenez soin de vous et, euh, et à bientôt.